Salut les super bricoleuses, salut les super bricoleurs, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un excellent Noël en famille, plein de bonnes choses, de réconfort, de chaleur et d'amour. C'est le quatrième et dernier épisode de la fabrication de cette borne arcade modèle Euro. On fait tout soi-même pour le moins cher possible avec beaucoup de récup. Allez, quatrième épisode, là on va ouvrir la borne, donc là j'ai le panneau arrière, je vais vous montrer. Alors pour le fixer, moi j'utilise des rondelles cuvettes. Alors la rondelle cuvette, ça se comporte comme ça, voilà, tu vois, voilà. Et en fait, la petite vis qui va avec, hop, ça rentre dedans, comme ça. Et du coup, ça fait super propre, une super finition. Alors moi je ne les ai pas payées, c'est de la récup encore une fois. Allez, viens dès, je t'emmène voir. En bas ici, hop, on débranche. Et alors, mon panneau arrière, donc tu as les dimensions sur la première vidéo. Hein. Je l'ai peint d'un côté. À l'intérieur, j'ai peint aussi une petite bande noire de 30 cm. Parce qu'au-dessus de l'écran, il y a toujours un petit jour. Parce qu'on n'arrive pas à trouver des écrans super hauts et super larges. Donc voilà, et surtout, ce que j'ai fait... Eh ben, j'ai fait ce petit système là. Alors, il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai fabriqué ma petite rallonge. Et en fait, donc, une petite prise femelle. Ma rallonge qui fait 2,50 m, 3 m même. Au bout, ben, une prise mâle pour le brancher sur le secteur. Et ici, eh ben, j'ai récupéré sur une vieille machine que j'avais là. J'ai coupé le câble et j'ai récupéré le passe-câble qui rentre dans la machine. Tu vois ? Et hop, je l'ai incrusté à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et comme ça, ça protège mon câble et ça fait une super finition, ça fait tout de suite plus propre. Donc maintenant, t'es pas embêté pour fermer ta borne. Maintenant, on va jeter un œil à l'intérieur, je vais te montrer comment j'ai installé tous mes petits appareils. Alors, il n'y a rien de péchu, rien de compliqué. Allez, ici, mon HDMI, il est fourni normalement avec ton écran, même quand tu l'achètes d'occasion, mais il y en a quand même un avec la console, l'alimentation. Et en fait, tous mes appareils, je les ai branchés sur une multiprise 4 bornes. Alors, j'aurais dû prendre une 5, mais c'est de la récup. J'ai mis un petit coup de nettoyage, donc j'ai rajouté ce double bornier là. Et comme ça, ça me permet de brancher tous mes appareils. Donc, je t'ai montré vite fait ma petite lampe là. Je te montre en détail. En fait, j'ai découpé mon polymétacrylate avec ma meuleuse d'angle, tu vois, je lui ai donné un bout, une forme arrondie, et avec de la colle PU, pareil, polyuréthane, j'ai directement collé mon porte-ampoule. Alors là, c'est une petite lampe LED, hein, ça fait 8 watts, équivalent 60 watts, ça éclaire suffisamment à l'intérieur du fronton, c'est nickel chrome. Ensuite, je te montre de l'intérieur mes petites enceintes, voilà, pareil, je les avais tenues avec des cales, et en fait, je les ai collées par le dessus. Après, j'ai mis un peu de peinture sur ma colle PU, et là, j'ai agrafé de la petite résille, de la petite moustiquaire par-dessus pour que ça fasse plus propre. Ma petite lampe, j'ai mis un câble rigide. J'ai mis du rigide, hein, j'ai pas mis du souple. Et voilà, et après, ça descend. Mon câble, il est branché ici, voilà. Maintenant, le ventilo. Alors, le ventilo, bah, j'ai pris le ventilo de l'arrière-grand-mère. Gratos, récup. Alors, bah, c'est un modèle de maison, mais on s'en fout, hein. Hyper efficace. Et pour le fixer, sur un tasseau collé avec de la colle PU, le tasseau vissé sur mes petites barres de renfort de mon fond de borne, voilà. Et puis, j'ai même mis une petite cale ici devant. Comme ça, cette petite cale, elle empêche que la tête, elle penche, voilà. Et bah, je le mettrai qu'en position 1. Et puis là, tous mes petits câbles, maintenant, bah, je les ai, voilà, mes transfos, je les ai fixés de façon à ce que ça tienne tranquillou. Et puis ici, voilà, donc en détail, tu vois, quand j'ai posé les deux petites cales pour empêcher que la console, elle recule, au milieu, j'en ai pas mis pour justement laisser passer tous mes câbles. Donc là, c'est l'alimentation du son de mes petites enceintes. Ici, c'est le HDMI qui va de l'écran à la console. Et puis ça, c'est l'alimentation de la console. Le bouton marche-arrêt de la console, il est là-bas. Je la laisse toujours en position marche, hein, comme ça, on n'est pas en kikiné. Et là, c'est le réglage du volume de la console. Et ici, tu as aussi deux petites prises supplémentaires USB, soit pour connecter sur un ordinateur, ou alors pour connecter deux autres manettes. C'est hyper pratique. Donc voilà l'intérieur de la borne. Là, j'ai rajouté cette petite résille aussi, parce que justement, la lumière
donnait un halo qui venait jusqu'ici devant, et donc ça se voyait à travers l'écran. Donc j'ai rajouté ça. Ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà, comme ça, c'est tout nickel. Il y a le petit renfort ici devant. Alors ce renfort, moi au départ, je ne l'avais pas fait pour faire mon panneau en deux parties. Si tu veux faire ton panneau en deux parties, pour ouvrir que le haut si tu as besoin d'intervenir en haut et que le bas si tu as besoin d'intervenir en bas, tu peux aussi te servir de cette barre. Mais moi, cette barre, c'était juste un renfort, et surtout pour que le panneau du fond, quand on le pose, il soit bien appuyé sur la borne et que tout soit nickel chrome. Bon, voilà, une fois la borne refermée, hein, les petites rondelles cuvettes avec les vis qui vont bien, voilà, ça donne pas mal. Et puis voilà, notre petit système pour sortir le câble propre, c'est nickel chrome. Bon allez, on tourne la bête, on s'occupe des dernières petites finitions, on regarde ça et on teste. C'est parti. Bon, ça y est, on lui a fait faire la culbute. J'ai rajouté, ici et là, j'ai rajouté de l'angle droit en bois. Et donc, j'ai rajouté ça, comme ça, tu vois. Ça fait un peu plus joli, ça donne plus de volume au fronton en haut. Et ensuite, j'ai rajouté aussi du quart de rond. Alors, prends le bon diamètre, tu vois, moi j'ai pris ce diamètre-là. Et j'en ai mis un ici, un ici. J'en ai mis un ici dessous. Et un ici entre le polymétacrylate du dessus de console et le polymétacrylate de l'écran. Comme ça, on ne voit pas la jonction entre les deux, ça fait une super finition, c'est toujours plus propre. Et surtout ici, sur le côté là, et donc on voyait ma marge blanche là ici, et ça m'a servi aussi à justement camoufler cette belle bêtise. Maintenant on branche la bestiole. Alors comme je te l'ai dit, moi je laisse tous mes appareils allumés, même le ventilo, je le laisse sur 1, c'est pas super énergie or. Donc quand je connecte, hop, mon petit fronton s'allume, moujoute, ça fait classe. Et puis l'écran, lui, bah, il va se mettre en branle tout seul, comme un grand. Et là, tu vas voir, ce message-là, il va s'effacer dans 5-6 secondes. Le temps pour moi de te parler quand même de la Pandora Box. Alors, tu as plein de modèles. Si tu commences à vouloir acheter en détail, tu vas en avoir pour 120, 130 balles. Moi, la console, elle m'a coûté 80 euros. Donc, tu vois, aucune raison de se prendre la tête. Il faut juste rajouter le petit polymétacrylate là pour éviter qu'on puisse la sortir de la borne. Et rien de compliqué, rien de fou. Hein. Donc regarde bien quand tu les achètes sur internet, ces petites consoles, que le vendeur il te met toute la liste des jeux qu'il y a à l'intérieur de la borne. J'ai fait une liste non exhaustive, voilà, là il y en a 120. Donc pour te donner les plus connus, Ghost and Goblin, Ghouls and Goblin, Street Fighter, alors les Street Fighter j'en ai 12, Simpson, Donkey Kong, Kung Fu Master, Pac-Man, Space Invader, Tortue Ninja, Lego Block, Retour vers le futur, Final Fantasy, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, Legend of Zelda, Flashpoint, Formula One Grand Prix, Colin McRae, Domination Derby, Kick-Off, tu vois genre 1941, 42, 43, les jeux de guerre, Arcanoïde, Tetris, Bomb Jack, Pac-Man 3, Super Mario 64, Super Mario, il y en a 25 ou 30 en totalité. Alice au pays des merveilles, Akira, Transformers, Jackie Chan, je crois qu'il y a du Bruce Lee aussi, les gens de Bruce Lee, Jurassic Park. Voilà, tu vas retrouver tous les jeux auxquels tu aimais jouer quand tu allais dans des salles de jeux, des salles d'arcade. Donc, regarde bien la liste. Mais tu vois qu'en général, ils ont quasiment, pratiquement tous les mêmes jeux. Il y en a, enfin, t'as pas le temps de jouer à tous. Alors, maintenant, on va s'approcher un petit peu. Donc, voilà comment ça se présente, hein, rien de compliqué. Donc, tu vois pourquoi il faut avoir quand même un bon écran pour que tu aies vraiment un gros rendu qui te saute au visage. Le tour d'écran bien positionné pour que ça camoufle quand même le tour de ton écran en plastique. Et puis donc alors maintenant on est ici en haut là, tu vois, Super Mario 64. Voilà, alors tu as les jeux, voilà, donc tu vois ton petit voyant, tu as les jeux en 3D, donc là il y en a 150, les jeux en 2D il y en a 6375, ensuite la partie récente, c'est les jeux auxquels tu auras joué, ils vont s'enregistrer. Et ensuite, tu as la partie de recherche où là, tu vas chercher, voilà, à l'aide du joystick, de choisir les lettres, les numéros, etc. pour pouvoir directement aller chercher le jeu au lieu de descendre dans le listing complet. Donc, dans les jeux récents, on va descendre. Allez, on va mettre Super Mario 64. Alors, l'avantage d'avoir mis les enceintes au-dessus, c'est que déjà, j'abîme pas mon joli autocollant ici. Parce que les autocollants, 75 balles l'ensemble, sans le petit autocollant ici, là, du dessus de console.
Mais 75 balles, donc je te dis, t'as pas le droit à l'erreur, tu peux pas te planter parce que sinon bah, t'es obligé de racheter une feuille complète, donc ça serait dommage. Et surtout, c'est que tu vois, le son il est quand même assez important. Alors, je peux régler sur la console, je peux régler mes petites enceintes, mais ça n'empêche que là, tu vois, le son il me casse pas la tête, il vient pas me sauter aux oreilles, donc c'est toujours pratique. Donc, la console. La Pandora Box, elle, tu as 3-4 vis sur le pourtour, derrière tu as deux charnières et tu peux quand même lever le plateau pour pouvoir changer tes connexions si tu veux changer l'emplacement de tes boutons pour donner des coups de poing, des coups de pied ou pour te déplacer, accélérer quand c'est de la voiture, etc. 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 Je te fais pas le plan complet, hein, inutile. Si tu achètes une Pandora Box comme ça, eh bien tu le verras toi-même, tu le feras toi-même, tu vas voir, c'est hyper facile. Bon, voilà. Donc, bon, ben voilà, ça reste un Mario, hein. Ok. On va sortir de là. Je vais t'en présenter d'autres. Donc, tu retrouves tous les jeux, Taito, Capcom, tous les gros fabricants de jeux sont directement réunis. Après, ça reste une console de jeu comme les autres. Hein. Ouais, on prend le premier circuit. Hein. Mais bon, tu vois, la résolution est pas mal. Les jeux sont... Il y a une très bonne résolution. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Bon, tu vois, je fais exprès, hein, c'est pour te montrer que le rendu est vraiment top. Hein. Voilà les petits chéris, cette quatrième et dernière vidéo sur la fabrication DIY de cette petite borne arcade modèle Euro est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à faire de la récup, ici ça m'a coûté moins de 350 € grâce à la récup. Sinon, c'est au moins le double. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos abonnements, tous vos likes, vos commentaires. Cette année 2022 a été exceptionnelle pour moi sur YouTube. Donc, on continue comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis, je voulais vous souhaiter une très, 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 très bonne année 2023. J'espère que vos projets seront encore meilleurs que ceux de 2022 et que vous arriverez aussi à les réaliser. Et comme je vous le dis toujours, pensez à la récup, c'est le nerf de la guerre. Soyez inventifs, créatifs, ingénieux. Surtout, restez-le et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux, tout ce que vous voulez. Bisous, à l'année prochaine. Salut !